Ok, ma boulette. Une nouvelle épreuve de rassemblement est organisée cette saison. J'ai programmé l'itinéraire pour vous y rendre. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Vous avez atteint votre destination.
Ok, ma boulette. Calcul de l'itinéraire jusqu'à l'épreuve Forzaton Live en cours. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Vous avez atteint votre destination. À 400 mètres, tournez à gauche. Vous êtes arrivé en avance. Le Forzaton Live va bientôt commencer. Tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination. Yohan, salut Yohan, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Et merci pour le partage. Bon, on va tenter du Forza sur la Xbox. Bah, j'ai dû le redownloader malheureusement. Je sais pas ce qui s'est passé. 5, 4, 3. Oh là, il parle fort lui. 2, 1, c'est parti. Il faut faire dans le casque. Début de la manche. Ah, donc j'ai dû. J'ai dû redownloader Forza, je sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai perdu un peu de temps. Allez, c'est parti. Tournez à gauche.
vu que j'avais pas trop envie de me mettre sur mon PC, allez, on va tenter le live sur la Xbox, on verra bien. Je sais pas si ça passe bien, parce que bon. Tournez à droite. Il n'y a pas la qualité, il n'y a peut-être pas la même qualité que sur PC, je sais pas. Et j'ai du mal, vraiment beaucoup de difficultés au niveau du gameplay sur la Xbox. Toute la sensibilité elle est pas pareille. Bon, c'est pas grave, de toute façon on est là pour se détendre, pour passer un petit peu de temps sur Forza. Voilà, donc là pour l'instant je vous regarde pas. J'essaye un petit peu de pas perdre trop de temps là pour le Forza de ton live. Voilà. Ah, le jeu rend bien, hein, sur grand écran, il rend super bien. Hein. Mais j'ai pas la même. Le gameplay me paraît un peu différent, quoi. La sensibilité des voitures n'est pas pareil. Moins réactif, l'impression. Mais bon. C'est pas grave, je vais m'adapter. Hein. Ça va pour l'instant, tout se passe bien, mais bon. Je pensais pas que le jeu rendait aussi bien sur la Xbox. Et je l'avais downloadé, c'est ce qui est terrible. Hein. Pas la première fois que je suis embêté avec Forza. Voilà. J'espère que le live n'est pas trop pixelisé. Quoi. De toute façon, là, je peux pas améliorer la qualité. Hein. Je suis avec mes réglages par défaut. C'est la Xbox qui a choisi de mettre 6005, donc voilà. Ouais, j'espère que ça va, Johan. Voilà, je reprendrai vos messages après. Hein. Voilà. On n'est pas arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, c'est une zone de vitesse apparemment. Marqué, ouais, dans la zone de vitesse, ok, bon, on y va là. Apparemment, c'est ça. Ah ouais, on est dans une zone de vitesse, il faut rouler le plus vite possible dans cette zone. Je sais pas si je suis bon. Ah ouais, c'est à partir d'ici alors. J'ai bien compris, ouais, voilà. Ah, le gameplay, c'est fou, il est complètement différent. Ouh, j'aime prendre le mur. Non, ça va. Parce que j'allais prendre le mur. Ça a failli. Allez, allez. Voilà. Bon, j'ai remonté un petit peu la luminosité du jeu. Si vous voyez qu'il est beaucoup trop clair sur Twitch, n'hésitez pas à me le dire. Après cette course, hein, je regarderai un peu le retour. Je trouvais qu'il était sombre. Alors après c'est peut-être un problème aussi de lumière au niveau de ma télé. Hein. Voilà. J'espère qu'il passe pas trop clair sur la chaîne. Voilà. Allez hop. Oh purée. Ça va taper, bon c'est pas grave. Un petit peu le son, j'ai du mal à régler le son. Le son est pas évident à régler. Le retour casque est pas tout le temps. C'est soit trop fort ou pas assez. On va pas trouver un juste milieu. Hop. Allez, on y va. Manche 1 terminée. Passez à la manche 2. Voilà. Allez, manche 2. À 200 mètres, prenez le virage serré à droite. Prenez le virage serré à droite. Oh purée! Ah, là, c'est pas serré à droite, c'est serré à gauche. Là. Merci, Yvan. Ça va le jeu, est-ce que le live rend bien, Yohan? Dis-moi un peu le retour de live, qu'est-ce que ça donne, si c'est bon pour vous. Tournez à droite. Si c'est pas trop... qu'est-ce qu'il faut faire là? Marquer des points. Parce
jusqu'à la destination. Faire quoi, des points de poisse, c'est ça? À 400 mètres. Est-ce qu'il faut faire du drift? Là, je suis un petit peu dans le doute. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tourner à droite. Elle voit bien cette Alfa Romeo. Hein. Ouh! Ah, c'est pas là, mais tourne! Ah ouais, j'ai du mal! Sensibilité, elle est pas pareille. Hein. Faut aller où? Passe par où? Passe par où? Hello. Mince alors! Ah, faut retourner là-bas! Ah, d'accord! Pour retourner ici, juste ici alors. Je pense, je sais pas. Pas tout compris. Ah d'accord, c'est certainement ça là à faire. À mon avis, ça doit être ça. Oh purée. Oh comment j'ai tapé. Tout est nickel là, bah ça va, bah, c'est impeccable. Je pensais pas que ça aurait rendu aussi bien sur la Xbox. Ah bah c'est bien, c'est impeccable, alors on sait qu'on peut faire du Forza via la Xbox alors. Enfin, on peut faire du Forza forcément, ça c'est possible, mais c'est surtout les lives. Surtout les lives sur Twitch quoi. Voilà. Allez. Ah puis ce matin j'ai allumé. Bah non, c'est pas ici qu'il faut faire des points, je sais pas, je comprends pas. Ah oui, il faut passer en fait. Maintenant j'ai allumé un peu mon ordinateur quand j'ai vu toutes les mises à jour à faire. Oh j'ai laissé tomber. J'éteins tout ça, il y a tellement de mises à jour à faire, j'ai dit hop, je coupe. Voilà. Hop, j'ai profité un peu de sortir un peu parce que je bouge pas énormément. Donc j'ai été avec ma femme, elle a été chercher le... Bah le drive, hein, de toute façon, on ne fait pas de course en magasin, hein, voilà. Je suis pas prêt de mettre le nez dans un magasin parce que quand je vois comment ça se passe, je reste plus prudent. Voilà. Donc ma femme a fait tout par drive en fait. Hein. À 200 mètres. J'ai dit allez, je vais t'accompagner, ça me fera une petite sortie. Voilà. Tournez à droite. En plus il faisait super bon ce matin. Bon rayon de soleil, donc ça a fait du bien quoi. Marquer des points à la destination. Bah moi je suis perdu là-dessus. Je sais pas ce que je dois faire. C'est quoi les points? Faites demi-tour dès que possible. Je vois pas ce que c'est par contre l'épreuve. C'est quoi? C'est l'épreuve de vitesse? C'est quoi exactement? Ah si si. Alors c'est pas ça. Je sais pas ce que c'est en fait. Waouh, je casse. C'est quoi? Je comprends pas. Faites demi-tour dès que possible. À 100 mètres, tournez à gauche. À 200 mètres, tournez à gauche. Ouais, mais il faut faire quoi exactement? Les pièges gentils, le GPS, il m'a dit de tourner à gauche, mais après tu fais quoi? Faut faire quoi, du drift? Je ramène aucun point. Oula! Ouh! Ça a tapé. Oula! Ça a tapé. Hop! C'est pas grave. Ça se répare. Oh, le pare-brise un peu fissuré, mais c'est pas grave. Franchement, je sais pas ce que je dois faire. Marquer des points, mais des points, comment tu les marques? Faites demi-tour dès que possible. Bon, certainement une zone de vitesse. Tournez à droite. On fait un petit Forza ton live. Et là, bon, on verra, on fera des petites courses par-ci, par-là. Il est déjà 18h. Je pense pas que je vais m'éterniser. Allez, jusque 20h, on verra. L'avance 2 est
terminé. Deux heures de là, c'est déjà pas mal. Allez, y va. Voilà. Mais évidemment, quand je perds le contrôle, j'ai l'impression vraiment de... Mais vraiment de perdre le contrôle complet de la voiture. Hein. C'est fou. Allez, on va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, marquer des points avec le radar. D'accord. Le radar est où en fait? Allez, on fait demi-tour, on y va. Faut se faire, apparemment, faut se faire flasher. Allez, on y va. ok. Faites demi-tour dès que possible. C'est par là, on fait demi-tour. Allez, c'est parti. Faites demi-tour dès que possible. Voilà, il me reste un petit peu Call of Duty à télécharger là, le Warzone. Parce qu'entre deux j'ai coupé un peu le téléchargement. Et il m'est arrivé un mauvais tour. C'est que j'avais commencé déjà à télécharger un peu plus de 50 gigas. Je l'ai stoppé, j'ai coupé ma console. Et malheureusement, je suis obligé de tout refaire. Donc c'est-à-dire je suis obligé de tout télécharger mes 101 gigas du jeu. J'ai pas compris pourquoi ça a fait ça. Bon, il fallait que je le continue à downloader derrière, mais bon. Mais bon, j'ai été obligé de la couper la console. Donc, Tant pis, hein. Possible. On essaiera de redélécharger ça une prochaine fois. Je vais essayer de jouer un peu là sur Call of Duty Warzone, on va voir. Ça risque d'être une catastrophe pour moi. On va tenter ça, on verra. Si je vois que ça va pas, ben on repassera sur un autre jeu. Voilà. Faites demi-tour dès que possible. Ouais, j'essaierai de faire ça la semaine prochaine à mon avis. Tant que je le redownload. On essaiera de tenter un petit peu du Warzone, on va voir. Je suis pas trop Battle Royale, je suis pas habitué, mais bon. Yes. Ah, je sais que t'aimes bien, Yoann. On va tenter, on verra. Oh, ça sera sur Xbox, hein, bien sûr. Faites demi-tour voilà, dès que possible. Xbox. Et puis, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, s'il commence à faire trop chaud dans la pièce, vu que maintenant j'ai la fibre, je vais vraiment... Enfin, je vais sur console, hein. Toi, j'ai déjà à finir sur PC, hein. Mais bon. C'est comme ça. On allait continuer à faire Odyssée, à refaire un peu de Division 2. Allez, on va passer d'ici. Par ici, voilà. Allez, on y va. Oh, ça va être la dernière manche au niveau terminé. Du radar. Ah bah, c'est trop tard. Fais le mode campagne. Sur Warzone, il y a un mode campagne sur le Warzone. Je sais pas si... Ah non, si je coupe le live, si je repars dans mon menu, la Xbox, tu le verras pas, c'est vrai. Tu vas avoir un écran d'accueil. Donc Captain Call of Duty le Warzone, il y a un mode campagne apparemment. Alors je vais aller où là? Il est fini Forza ton live ou pas? Est-ce qu'il est fini? Attendez, je vais regarder.
Salut Jules. Jules92, salut à toi. Bienvenue. Pas que tu vas bien. Sois le bienvenu. Alors, je suis pas sur une configuration habituelle. Là, je suis sur Xbox. Hein. Voilà, il n'y a pas d'overlay. Je suis pas avec mon PC. Maintenant, du fait que j'ai la fibre, je peux skimmer directement par la Xbox. Donc voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes conditions quand tu as pu découvrir la chaîne. De toute façon, cette semaine, j'ai fait que skimmer sur la Xbox. Voilà. Parce que bon, niveau confort, je suis mieux dans mon salon que dans ma pièce informatique. Il n'y a pas photo. Voilà, et vu que là le soleil t'a pas trop mal là dans ma pièce, bah, j'ai préféré rester dans mon salon quoi. Voilà. J'ai retéléchargé Forza Horizon sur la Xbox et puis bah voilà quoi. GG pour te lever Johan. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire du coup? Sur quoi on va partir? Bah, je pense que j'ai encore les DLC à downloader aussi hein. À mon avis, il a pas dû les prendre, je ne sais pas. Là, il y a le truc Lego. Je repartirai bien sur un petit DLC, peut-être histoire de changer. Je ne sais pas encore. On va voir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est nouveau, ça? Ah! Rubik's Rassemblement. Tiens, je vais aller voir ce que c'est. On va aller voir ça, tiens. J'espère que ça va, Jules. Voilà, la semaine dernière j'ai fait du Forza sur PC mais il n'y avait personne. J'ai joué un petit peu avec Paresseux, notre ami du Canada qui est venu me rejoindre et on a joué un peu ensemble. Ah non, on a essayé, non en fait on a essayé de s'inviter, ouais voilà. On a essayé de s'inviter via le PC, ça n'a pas marché en fait. On a mis à peu près une petite heure à essayer de trouver une solution pour pouvoir jouer ensemble et ça n'a pas fonctionné en fait. Voilà. Alors soit j'ai un souci avec mon PC certainement, mais pas moyen d'inviter des joueurs en ligne, pas moyen. Donc du coup c'est vrai que malheureusement on n'a pas pu tenter le Forza Horizon sur PC quoi. Voilà. Allez, on va aller voir ce que c'est cette. Cette petite course, on va voir un peu. Oh, alors la sensation de vitesse est pas. J'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à conduire sur la Xbox. Donc la sensibilité est pas du tout pareil, le gameplay pas pareil. Ça me paraît un petit peu plus compliqué quoi. Maîtriser. À 400 mètres. Vous arriverez à destination. Allez, on y va. Vous avez atteint votre destination. Allez, on va participer à l'épreuve. On y va, je sais pas ce que ça va être. Hop. Ah oui, c'est avec les véhicules de Halo ça. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Comment il s'appelle? J'avais déjà fait cette épreuve là, il me semble. Ça me dit quelque chose ça. Très bonne licence aussi, allez Halo. Très bon jeu, j'avais adoré. D'ailleurs, je les avais fait en live aussi. Hein. Je les avais tous fait pratiquement. Tu avais fait aussi? Tu avais joué dessus? Ah ouais? Je m'en souviens plus. Donc, ma femme apparemment confirme qu'elle avait déjà joué aussi sur les Halo. Ouais, c'est une bonne licence en fait. Là, il y a le prochain qui va sortir, à mon avis.
bah, ça sera certainement soit en achat ou je sais pas s'il sera proposé dans le Game Pass, je sais pas comment ça va aller. Mais le prochain Halo, à mon avis, sera certainement commandé, quoi. Voilà. Bon, bien qu'en ce moment, j'achète pas beaucoup de jeux. Hein. Avec le Game Pass, l'Uplay Plus. Ici Kilo, Cortana, vous m'entendez? Allez, c'est parti. Chauffeur, je crois. Cortana à Kilo. Waouh, c'est super beau. Nous en avons fini et nous sommes prêts. Oh, la Xbox marche bien quand même. Hein. Waouh, on annule tout. Bon, du graphique Cortana, est pas mal quand même. Affirmatif, Kilo. Non, j'ai déjà un bon petit PC, un bon PC de jeu, mais Major, là. On y va, sortez-nous de là. Quand je vois le rendu, le rendu graphique, je ne sais pas. On dirait une la Xbox One X, franchement, elle n'a pas à rougir. Elle n'a pas été utilisée depuis des siècles. Bon, on voit quand même qu'il n'y a pas les 60 FPS quand même. Ça se ressent, hein. Ça se ressent niveau. On a la zone d'atterrissage. Il reste peu de temps. Cet endroit va partir en fumée dans 3 minutes. Et à part ça, graphiquement, c'est en haut du lourd. Les coordonnées sont dans votre système. Évacuation dans 3 minutes. Alors je sais pas Johan si t'as vu la... Regardez. Parlons de console parce que moi je fais pas la guéguerre des consoles. Hein. Que j'aime bien Sony, j'aime bien Xbox, voilà comme ça je suis neutre. J'ai vu une vidéo on évitera sûrement mieux les banshees dans des sentiers battus. Avec le nouveau Unreal Engine 5 avec une démo d'un jeu sur PS5. Là on a pris, j'ai pris une sacrée claque. Hein. Oh. Quand j'ai attention. Vu la qualité du jeu, j'ai dit si c'est ça sur la PS5, là on va se faire plaisir. Banshee, ça va faire, on va se faire plaisir. De à travers tes arbres. Au niveau de la qualité graphique, mais c'est, ça paraissait hyper réaliste. Hein. Voilà. J'ai été vraiment, alerte, vraiment surpris. Des Banshees, on fonce. Apparemment, il y a beaucoup de. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les jeux de lumière, etc. Et... J'ai été bluffé de voir comment de le jour les coordonnées de la zone d'atterrissage. Demandons évacuation immédiate. Rendait, je répète, toutes les unités sur la zone. Cortana, je vois. Alors, 3, ça 4, va arriver sur PC aussi, hein, le fameux Unreal Engine 5. Hey, évitons les ennuis. Ça va arriver aussi sur la Xbox, hein, mais. Cortana, je ne peux pas vous suivre ici. On se voit de l'autre côté. Si les jeux par la suite se retrouvent comme ça, on va se régaler. Cette grotte n'est pas naturelle, on dirait. Alors, attendez, qui passe plus la concentration. Ah, c'est génial. J'aime pas ça. C'est bien trop silencieux. Je sens plus que j'avais déjà fait Kilo, cette course. Kilo, vous m'entendez? Kilo. Aïe, j'ai tapé. Mince. Wouah, joli. 5 sur 5, Cortana. Ravi de vous revoir, pilote. Ce serait dommage joli, d'atteindre la zone sans vous. Voilà un petit peu la dernière vidéo là j'ai vu sur Sony et... Je sais pas quand est-ce que c'est prévu la sortie des nouvelles consoles. Avec ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il va y avoir du retard. À toutes les unités, la zone est droit devant. À mon avis, il reste 30 voilà. secondes avant que la superstructure de l'anneau s'effondre. Mais j'ai hâte de revoir d'autres démos, hein. Que ce soit la nouvelle Xbox ou la PS5, voilà. Allez, on y va. 15 secondes, Major. 10, 9, je pense que je vais 8, finir... 7, 6, je vais finir 3ème. 5, non. 4, 3, 2, 1... Oh, je m'en vais là. Y arriver. Oh purée, je tape. Ah dommage. Ah, je suis parti complètement en vrille. Pilote, je pense qu'il est grand temps d'y aller. Je sais pas si je réussis. ici. 100%, donc c'est bon. On continue. Ah, super tirage. Génial. Bon, j'espère que le micro passe bien, que la musique est pas trop haute. Là j'ai récupéré une MG Metro, donc c'est Austin. Hein. MG, ça fait partie de Austin
Ouais, je pense que ça doit être ça. Maillot de motard rose et 20 000 en crédit. MG Metro 6R4. Je vais aller voir ce que ça vaut. Tiens, cette voiture. Je vais profiter, je vais aller voir la voiture que je viens de récupérer. C'était dans... Ouais, MG. Hein. Alors. Ah, c'est celle-là. Alors qu'est-ce qu'elle vaut? Ah, je vais la piloter, tiens, pour voir. On va tester ça pour voir. Je pense qu'elle vaut. Tester un petit peu cette voiture-là. Puis si ça va pas, on repassera sur la Alfa Romeo. Ouais, il va falloir que je change la... La bande qui est mise sur la Xbox, allez, je l'ai laissée à droite, mais c'est embêtant. Il y a des infos que je ne vois pas. Alors, comment elle est à l'intérieur cette voiture? Ouais, elle est toute simple. Hein. Oh, la musique! Pourquoi il m'a fait rentrer dans la maison? J'ai pas compris. Ah, j'ai peut-être débloqué une maison alors, peut-être, avec cette course. Possible? Je sais pas. Bon, allez, on va continuer un peu. Bon, on ressemble un peu à l'arrière d'une 205 en fait. Hein. Ouais. Même un peu le devant, hein. Ouais, ça fait penser un peu à une 205. Oh, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça, c'est une voiture que je viens de gagner. Par contre, la musique classique, c'est pas mon truc. Hein. Faut que je change ça, mais apparemment, ça fait partie de la course ou du jeu. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai tellement fait le tour de ce jeu que je sais plus quoi faire. C'est quoi ça? Alors, ça c'est quoi? Eh ben, on va aller visiter ça, tiens. Allez. Maison acquise, cottage de Kingfisher. Allez, on va aller voir ça. Ça, ça me permettra de tester un peu cette voiture. J'ai coupé la musique. Allez, on change. Parce que musique classique, c'est pas pour moi ça. Elle est pas mal, hein. Pas mal, pas mal comme conduite, comme voiture. Ah, je suis à fond, hein. Je peux pas la pousser plus, je pense. Ouh, c'est tapé. On a tapé dedans, c'est pas grave. La sensibilité, elle est pas pareille hein, sur Xbox. Hein. Ouais, c'est pas. Après, c'est pas. Il y a là, il y a du 30 FPS, il y a pas du 60. Hein.
Et encore sur mon ordinateur, j'ai un écran 165 Hz. Prenez la première sortie. Donc je pense qu'au niveau fluidité, ça fait beaucoup. Hein. Aïe. Mais bon, la Xbox One X, franchement, se débrouille quand même pas trop mal pour une console. C'est pas mal quand malgré tout. Ouais, elle monte à 213 km/h, pas plus. Ok. Ah, j'ai mis 3 étoiles là. Wouah, j'ai vu une voiture foncer sur moi, ça va. À 400 mètres, tournez à droite. Salut Next. 25 000 Glass. Non, comme on en dit, tu peux pas l'utiliser. Tournez à droite. Il n'y a que les. Oh mince. Il n'y a que les modos et moi-même qui peut l'utiliser la commande. Je sais pas pourquoi tu veux utiliser la commande en D-Next. Faites demi-tour dès que possible. À 100 mètres, tournez à gauche. Je sais pas pourquoi tu veux l'utiliser. Après, je peux te mettre la commande en 10 si tu veux avoir un peu plus de détails concernant ma pathologie. Hein. Bon, c'est une commande que j'utilise pas beaucoup. Généralement, les personnes qui me demandent un petit peu pourquoi j'ai mis le code en 10, c'est pour expliquer un petit peu les problèmes de santé que j'ai à l'heure actuelle. Voilà. Alors, j'évite d'en parler, forcément, on n'est pas là pour ça. Mais ça m'arrive de temps en temps, les personnes pose des questions pourquoi j'ai mis cette commande là, hein. Voilà, ou pourquoi j'ai mis Andy. Bienvenue en tout cas Nex, bienvenue à toi. Voilà, je pense que tu dois savoir pourquoi j'ai mis ça. On regarde un peu sur la page d'accueil, je suis une personne en situation de handicap, donc voilà. C'est pour ça, Nex. N'hésite pas à passer sur la page d'accueil, qui a un peu plus d'explications concernant ma soucis de santé. À 400 mètres, voilà. Tournez à gauche. Tournez à gauche. À gauche. Perso, cette commande, je ne la mettrai pas par respect pour toi. Ouais, non, ouais, non, mais je comprends, Johan. Hein. De toute façon, c'est une commande que j'utilise très peu. De toute façon, depuis tant que tu me suis, je ne suis pas le genre de personne qui se plaint tout le temps et qui se remet, qui se pose beaucoup de questions, qui parle de ça. Moi, si on me pose des questions, je réponds, il n'y a pas de souci. Si les gens s'intéressent un petit peu à savoir pourquoi j'ai mis ça, j'en parle, ça va pas plus loin quoi. Et je comprends très bien. Vous avez atteint votre destination. Très bien, comment dire, ta réaction, Yuan. Voilà. Et j'ai pas non plus de honte à faire comprendre que je suis une personne en situation de handicap. Hein. Parce que je connais certaines personnes qui sont passées pour. Comme soi-disant qu'ils ont des handicaps et pour moi c'est complètement pipeau quoi, voilà. Complètement pipeau et j'en ai déjà vu, hein. J'ai déjà vu déjà sur Twitch qui se faisait passer pour ça et puis ça me paraît pas très crédible. Voilà, j'en dis pas plus. Après chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Voilà, parce que si je dis encore ça je vais encore être critiqué, donc j'en dis pas plus. Voilà. Alors, boutique. Donc c'est pour ça quand même que moi là-dessus, je sais pas, je cache rien. Et c'est pas du bobard quoi, voilà. Et attention, encore une fois, je ne mets pas ça pour qu'on s'apitoie sur mon sort. Bon, là on est arrivé à la maison. Sur les cottages. Je sais pas si je l'ai acheté du coup cette maison alors du coup. Attendez, on va regarder au niveau de la map.
Ah, visiter pour emménager? Bah oui. Alors du coup, pourquoi ça me met ça? Ah voilà, c'est ça, il fallait aller juste devant. Oui, on est là pour parler de jeux vidéo, je suis d'accord avec toi, Johan, mais de ce côté-là, moi j'ai pas à me cacher, j'ai pas de honte à me faire comprendre qu'on peut faire du jeu vidéo avec un handicap, voilà. Voilà, parce que comme tu sais très bien, les gens peut-être s'en rendent compte, il y a des moments ça m'arrive certainement de répéter souvent la même chose, j'ai des problèmes de concentration. Et bah j'ai pas à me cacher, hein, voilà. C'est tout, j'ai pas à me cacher. Voilà, point barre, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Non, non, c'est ça, bah si, j'ai bien visité la maison. Mais après, comme tu peux voir, hein, j'en parle très rarement. Hein. C'est pas le sujet prioritaire de ma chaîne. Mais je me cache pas, parce que c'est comme ça. J'ai tellement eu de réflexions, tellement eu de personnes qui en MP qui m'ont dit n'importe quoi, quoi. Maintenant... c'est comme ça. Alors peut-être que ça me pénalise de mettre ça là, comme on en dit, mais non, pourquoi pas. Peut-être les gens ils disent, ah ouais, ben bon, c'est quelqu'un qui est en situation d'handicap, bon, ça m'intéressera pas de jouer avec lui, ou voilà, enfin bref, quoi. Ça me pénalise, peut-être aussi, hein. Ben, je me pose pas la question de savoir si ça me pénalise ou pas, franchement... C'est pas la question que je me pose. Allez, on va voir un peu au niveau des vêtements, tiens. Tu sais, j'ai tellement eu des réflexions que... Voilà. Allez, on va changer le maillot. C'est quoi ça? T-shirt F6, FM6. Ah voilà, il y en a des nouveaux. On va essayer de s'occuper un petit peu de cette demoiselle là, pour voir changer un peu sa tenue. Ouais, je vais mettre celui-là, tiens. Alors niveau veste, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en mettre une? Ouais, c'est bon, après ça suit pas trop avec sa robe. On se croirait dans les Sims. C'est vrai en plus. Oh là là, ici avec le look. Ah, c'est quoi derrière? Ah, c'est le licorne. D'accord. Ça suit pas vraiment. Hein. Avec sa jupe. Allez. On va passer sur ce blouson là. Et on va lui mettre une... soit une robe beaucoup plus longue. Ou un pantalon. Qui correspond bien comme ça. Voilà, ça je peux pas. Allez, on va mettre un truc comme ça, bien british. Pantalon à carreaux. Allez, ça c'est pas mal. J'ai même le short de course de Noël. D'accord, ok. Non, on va les laisser comme ça. Allez, GG pour ton level next. Voilà. Alors en ce moment, c'est vrai que je stream. Ça fait une semaine que je stream plus sur le PC. Voilà. Du fait que j'ai la fibre maintenant, je peux streamer à partir de ma console. Voilà, je redonne un petit peu ma situation par rapport à d'habitude. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'overlay, il n'y a pas de cam, il n'y a rien. C'est peut-être pas aussi accueillant, je ne sais pas. Je sais pas si ça a son importance par rapport à la chaîne. Mais bon, n'empêche que ça ne m'empêche pas de streamer et puis de continuer à donner une activité sur la chaîne. Alors, y a pas de je peux pas utiliser mes commandes, il n'y a pas d'alerte sonore, enfin etc. Moi, je vais mettre un jean. Mais bon, le résultat est pas trop mauvais sur la Xbox, comme je vous dis, encore une fois, c'est une question de confort. Hein. C'est surtout ça, c'est pour ça que je stream, j'ai streamé un peu plus sur la console. Je pense que je continuerai d'ailleurs, hein, voilà, parce que le problème c'est que l'été, j'ai le soleil qui tape dans ma pièce. Il fait très chaud, et bah, le confort, j'ai un mauvais confort sur ma chaise de gamer, et voilà, je suis bien mieux dans mon salon, quoi. Il n'y a pas photo, hein. Ah, attendez, j'ai le téléphone qui sonne, je vais couper, j'arrive.
Allez, re tout le monde. Voilà, de retour. Voilà, bon, je vais pas trop m'éterniser sur la tenue. Et puis on va voir un peu pour voir un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Merci pour le host, Yon. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Qu'est-ce qu'on va faire comme course? Bon, c'est que j'ai tellement fait de choses. Ici, peut-être un petit championnat là. Pas s'il est déjà en route, j'en sais rien, on va aller voir. Est-ce que je peux me TP là-bas directement? Oui. Ça va gagner un peu de temps. On va essayer de démarrer un nouveau championnat. Alors, Horizon présente la Ronron Thérapie. Hein? C'est quoi ça? Championnat sur route, épreuve sur 3 km, 28 km, automne. Ah bah non, apparemment c'est un nouveau championnat. Et j'ai eu pas mal de bons échos sur le championnat d'automne. On va faire ça, tiens. Et j'imagine que ce n'est pas fini, puisque tu y participes. Ah, on a changé de saison apparemment. Waouh, on a de la Jaguar. 7, 7, 6, 9... C'est que de la Jaguar. Prendre celle-là. Le route elle est un peu moins bonne. On a F-type R coupé. Attends, celle-là elle est belle en plus. Allez, on prend ça. Waouh, super belle. Bon allez, on va essayer de faire quelque chose de bien. Merci. Ah, j'ai peut-être accéléré un peu trop vite au démarrage. Oh, je pousse tout le monde, moi. Allez, on pousse, hein, tant pis. Hein. En plus, j'ai démarré en bas de la... Très, très, très bas. Il va falloir remonter tout ça. Ah, je bête des autres voitures, moi, pour... Ah, je vous jure, la conduite est pas pareille. Hein. Rien à voir, hein. Par rapport à sur PC. J'ai l'impression que c'est pas fluide, en fait. Hein. Ben, après, c'est peut-être un peu normal. Hein. Voilà, par où je m'en vais, là. Oula, oula, oula. On va aller un peu trop vite dans le virage. Hein. Ouh, ça part en... Ça part malheureusement. Ça chasse un peu de l'arrière. Ouah, mais c'est quoi ce circuit là? Ça va être chaud. Ça va être compliqué de remonter tout ça. Hein. Allez, ouh. Je tape. Je m'en doutais que j'allais taper. Allez. Je sais pas si Wizboot il fonctionne, tu vois, par contre. Regardez s'il fonctionnait Wizboot.
Mais pousse pas toi, laisse-moi passer. Ouais, je pense pas que je vais finir dans les premiers. Hein. Ça va être dur. Du moins dans les trois premiers, ça va être assez compliqué. Ils ont pris un peu d'avance là. Là, ça va être difficile. Là. Ah, peut-être moyen de les rattraper là. Ah, je rattrape un petit peu. Ah, dommage. La course pousse-pousse. Bon allez, on va la recommencer. Ah non, j'ai fait continuer. Non, recommencer. Salut Kenny. Coucou Kenny. Voulez-vous vraiment recommencer l'épreuve? Toutes progressions nous sont regardées. Bon allez, on recommence cette course justement. J'ai fini quatrième. Je voudrais finir dans les trois premiers. J'espère que ça va Kenny et bienvenue. Allez, on y va, on recommence cette course. C'est un petit tour de choc. Ah, le démarrage est pas bon. Hein. Mais le jeu sur grand écran, il rend super bien. En plus, il est en HDR, le Forza est en HDR. Ah, je vous dis vraiment la qualité d'image est vraiment superbe. Oh là, oh là. Ouh. Ouais, d'accord, pas de soucis, Yann. Bon appétit, Yann. À tout à l'heure. Là, le virage ici, on va essayer quand même de remonter tout ça plus rapidement possible. Voilà. Oh, j'ai tapé le mur. Ah, c'est chaud. Ah, il faut que je rattrape le plus vite possible à le début de course hein, parce que sinon pas la tête. Bah, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref. Ceux qui sont premiers tout simplement. Voilà. Allez, allez, allez. Faut que je les double. J'arrive à les doubler le plus vite possible parce qu'après c'est galère. En fait, là je fais n'importe quoi là. Là je fais n'importe quoi, on rembobine. J'ai fait n'importe quoi. Donc on rembobine, j'ai pas trop le choix. Hop. Voilà. Ah mais elle repart au même endroit, c'est fou ça quand même. Alors je rattrape la trajectoire, j'essaie de la rattraper, mais elle repart au même endroit. Elle est attirée par les murs, cette voiture. Voilà, on tire, voilà. Carrément freiné. Allez. Allez, troisième déjà, si je peux garder cette place là, c'est déjà pas mal. Si j'ai eu l'occasion de pouvoir doubler le deuxième et le premier, je vais pas me gêner, mais là. Moi, pas me planter par contre. Oh, il va me doubler, regardez, il se met à travers. Ah ah. Ah, c'est les PNJ, hein, c'est l'IA du jeu qui fait ça.
Ah ouais, c'est des coriaces. Hein. Pas évident à battre. Déjà, si je pourrais finir dans les trois premiers, ça serait bien. Voilà, hop. Ah, puis il y a de ces virages sur une course comme ça, c'est fou ça. Bon, je vous reprends après hein, au niveau du chat. Là, il faut que je reste vraiment à 100% concentré sur la course. Aïe, aïe, ça tape. Ça tape dans le mur. Ah, c'est pas le moment que je me plante là. Peut-être moyen de doubler le deuxième, voilà. Oh, c'est bon ça. C'est pas mal ça. Le fait de le doubler comme ça sur la ligne d'arrivée. Ah voilà, c'est déjà mieux. Deuxième. Ah, tu viens de rentrer du boulot, Kelly, d'accord. Bah, week-end, je sais pas si t'es en week-end, je suppose. Je sais pas. Désolé, hein, si je regarde pas tous vos messages. Alors ça, c'est pas tout le temps évident de vous suivre en même temps. Ah, tu bosses encore demain? Ah d'accord. Bah bon courage en tout cas. Ok ma boulette. Courage à toi, Kelly. J'ai mis à jour l'itinéraire jusqu'à l'épreuve Forza Ton Live. Et encore une fois, prudence. Tournez à droite. Sois prudent parce que bon, pas tout le temps évident avec ce qui se passe. Je pense que ce week-end, ça va être un peu le week-end de la folie. Hein. Vu le climat qu'on a en ce moment, enfin, déjà par chez moi, bon, dans le nord, il ne fait pas tout le temps très 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 bon. Là, on a un magnifique soleil. Bon, les températures sont encore un peu fraîches, mais moi, je pense que là, il y en a, ils vont faire n'importe quoi, ils vont déborder. Ils vont complètement zapper ce qui se passe. Et ça va être du grand n'importe quoi. Vous allez voir, je suis sûr que... Les trucs de précaution à respecter, ça va être complètement être zappé. Tournez à gauche. Et ça, franchement, ça m'énerve. Si je viendrais voir ça, ça va m'énerver. Voilà. Tournez à gauche. Les gens, ils croient que le Covid est complètement disparu, mais non. Hein. J'ai encore vu des trucs là sur les réseaux sociaux et sur Internet. J'ai dit, mais c'est pas possible. À 400 mètres, tournez à gauche. Là, c'est pareil, on va arriver sur un week-end où il y a le déconfinement, ben, ça va être la folie. Hein. Ah, faut tourner à gauche. Le Forza Ton Live va bientôt commencer. Bah, j'ai déjà fait le Forza Ton Live. Oh non, j'ai déjà fait, je vais pas le refaire. Je vais pas faire ça, moi. On fait pas ça. Bon, on va repartir sur autre chose. Eh non, bah, je voulais continuer le championnat. Pourquoi il m'a fait ça, lui? Non, on va faire celui-là, on va continuer ce championnat-là. Championnat saisonnier qui s'appelle Ronron Thérapie. Original, hein. Allez, on Faites y va. Faites demi-tour dès que possible. Non, j'ai déjà fait les Forza Ton Live, je vais pas le refaire. Hein. J'avais pas vu qui m'avait sélectionné ça, tiens. À 200 mètres, tournez à droite. Allez. Nous, on continue notre championnat. Tranquillement. J'ai pas regardé comment il était l'intérieur de la Jaguar. Ouais, mais c'est quoi tous les boutons sur cette porte?
T'es fou. Ouais, bah le tableau de bord est pas en... Ouais, sans plus quoi. Il y a plus de boutons sur les poignées de porte que sur le tableau de bord. Ouais, pourquoi? En série, ouais, elle est pas en... Ouais, sans plus, franchement, je m'entendais à mieux. Au niveau de l'intérieur. Allez, on continue. Ronron thérapie. Ah, c'est de la classe A, d'accord. Allez, on y va. Regardez cette Jaguar là qui est pas trop mal. Voilà. Ça va, il a l'air de pas trop mal passé le live malgré tout. Je suis en train de regarder le retour sur tablette, ça a l'air de bien marcher quand même. Et je passe sans carte d'acquisition, je suis direct avec la console. C'est pas trop mal. Ouais, ça doit pénaliser peut-être un petit peu même. Wouah ! Je vois ça à l'intérieur de la voiture, moi j'aime pas conduire comme ça. Voilà. J'avais oublié de changer la position de la caméra. Bon, c'est pas grave. Allez, on compte dedans, voilà. On pousse tout le monde. On a déjà Jaguar de remplacement. Hop. Allez. J'ai quand même gagné une course. J'ai fait le deuxième tout à l'heure. Ouah, ça tape! Oh là là! Ouais, ça a l'air de bien passer. Ouais, je suis en train de regarder le retour en même temps. Puis encore, mon PC, c'est un petit PC en forme de tablette avec un petit clavier. Il n'est pas hyper performant. Hein, le processeur là-dessus, c'est un Intel Atom. Donc, c'est vraiment des petits processeurs. Ouais, il y en a assez hein, pour pouvoir vous suivre. Et largement, c'est largement suffisant pour pouvoir. Suivre le chat, c'est pas le petit PC qui tu pourras faire du montage vidéo ou autre hein, ou lire des vidéos en 4K quoi, mais je veux dire il est largement suffisant. Ouais, de temps en temps il mouline un peu hein, c'est pas, ça se voit qu'il manque un peu de puissance, mais c'est bien utile quoi, c'est bien utile d'avoir ce genre de petite tablette déjà pour pouvoir heureusement que j'ai d'ailleurs ça pour pouvoir suivre le chat quoi. Voilà. Oh purée, ça va taper. Oh, je conduis pas très bien là. Je pense que je vais la recommencer cette course. Ah ouais, on va la recommencer parce que je suis pas bon. Vous savez quoi, je vais la recommencer. Je la recommence. Je suis pas bon du tout. Ah, on fait comment déjà? Non, c'est pas ça. Non, c'est pour prendre une photo. Je veux pas faire de photo. Ah, mais oh, j'arrive pas. Recommencer l'épreuve. Voilà. Allez. Ouais, là, ce qui prouve que la Xbox se débrouille pas trop mal quand même. Hein. Pas trop mal. Le fait de pouvoir jouer comme ça. Parce que le jeu Forza Horizon est assez gourmand malgré tout, et puis le fait de pouvoir streamer en même temps sans carte d'acquisition, c'est pas trop mal quoi. Qui prouve qu'elle a des bonnes capacités cette Xbox One X. Je sais pas si vous avez vu la dernière démo sur PS5 hein, avec le nouveau moteur graphique Unreal Engine. Franchement, c'est vraiment top. Hein. J'en parlais tout à l'heure avec Johan, justement. Ah, j'ai été bluffé de voir le rendu du jeu. Hein. J'ai dit, purée, si c'est ça les nouvelles consoles next-gen, là, on va se faire plaisir. Hein.
on va se faire plaisir pour ceux qui posséderont cette console, bien sûr. Que ce soit la Xbox, la nouvelle Xbox ou la PS5. Hein. Parce que ce sont des moteurs graphiques qui vont arriver également sur les sur PC et sur Xbox. Hein. Alors je ne sais pas si tout le monde va utiliser ce moteur graphique là, mais ça va envoyer du lourd. Oh là! Ah, ils prennent beaucoup d'avance là un peu. Ah, ils prennent beaucoup d'avance. C'est pas de se planter quand même. Il y a beaucoup de virages dans cette course. Hein. Et pour pouvoir doubler, ça va être une galère. Ah, je conduis pas très bien en plus. Et je vous dis, j'ai pas la même sensibilité de. Pas même la même sensation de conduite que sur PC. Hein. Je trouve que c'est un peu moins fluide, moins précis. Donc c'est pas évident. Allez. Je vais essayer de doubler là. J'arrive un peu vite là. Oh là là. On dirait que j'ai été dans l'auge. C'est pour ça que le tracé est bien utile quand même. Après je peux le retirer. Je pourrais gagner un peu plus d'XP hein, le fait de le retirer. Un peu plus de crédit, mais je préfère le laisser. Ça aide pas mal à la conduite quand même. Ce fameux tracé sur la route. Aïe, je pars où là? Je m'en vais où? Ah, ils vont être difficiles à battre. Hein. On a encore un tour apparemment. Ah, il y a peut-être moyen de passer là. Voilà. Oh, du moment où j'arrive dans les trois premiers, ça me convient. Voilà. Bon, désolé si vous me posez des questions. Pour l'instant, je regarde pas le chat. Hein. Allez. Allez. Regardez les virages. C'est fou hein. Tu prends ça trop vite, c'est foutu hein. Hop. Ah, peut-être moyen de le doubler là. Non. Il n'est pas laissé la première place lui hein. Et voilà. Ah. Non. Oh mais c'est pas vrai! Oh mais la poulette! J'ai fait n'importe quoi! Oh mais non! J'ai foncé direct dans le mur, je sais pas ce qui s'est passé, je recommence. J'ai failli arriver premier, j'ai tapé dans le mur. Oh non! Bon c'est pas grave. Ah mais la boulette! C'est pas vrai ça! J'ai l'impression que ma voiture répondait pas! Pas grave, on recommence! C'est dommage, j'ai failli finir premier! Ah mais c'est pas vrai! Bon c'est pas grave hein. On la refait! On la refait et puis c'est tout! Oh là là sur la fin comme ça! Mais pourquoi si j'étais attiré par ce mur? Alors équipe, mon véhicule répondait pas. Oh là 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 là. Heureusement qu'on peut recommencer cette course. Ah non mais là, regardez là, mais j'ai. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas grave, on va se rattraper.
Ah mais j'ai l'impression que... Alors soit ma batterie commençait à baisser, voilà, ou c'est moi qui ne conduis pas bien. Voilà. Un petit peu trop gourmand dans les virages peut-être, je ne sais pas. Voilà. J'anticipe pas assez bien dans mes virages. Possible. Arrête de partir dans tous les sens. Ah là là, cette voiture, dès qu'elle part dans tous les sens, c'est pas évident de la remettre dans la bonne trajectoire. Allez. Ah mais quel dommage. Vous pouvez finir premier. Dommage. Pas grave. Tourne. Mais tu tournes pas. Mais c'est incroyable ça. Le stick est complètement à gauche, elle va pas à gauche. Waouh. Allez, bon, n'importe quoi. Ah, je suis pas bon. Hein. Oh, j'aurai un souci là. Conduis pas correctement et ça tape dans tous les sens. Eh, faut que je finisse dans les trois premiers. Hein. J'arrive un peu vite là. Oh là là. Oh purée. Bon, voilà, il faut anticiper avec l'accélération, le freinage. Quelqu'un qui freine très peu en fait. Je joue plus avec l'accélérateur qu'avec le freinage. Allez, il y a moyen, là c'est à moi de faire attention là. Pas faire n'importe quoi. Allez, on y croit. Là je roule un peu moins vite, peut-être que je suis dans les premiers, mais bon. Derrière à mon avis ils vont arriver. Hein. Oh mais ces virages de folie. Allez, on y croit. Dernier premier, ça serait bien. Et là après c'est pareil, ils vont essayer de le doubler, mais c'est à moi vraiment hein, à accélérer là sur ce genre de ligne droite. Allez, c'est bon. Premier, j'ai failli repasser dans le mur. Oh, qu'est-ce que c'était chaud. Voilà. Chaud patate. Ah, je dois reprendre vos messages, je crois que je sais pas si il y a des messages entre deux. Alors j'ai testé un téléviseur, le journaliste PP World 2. Ah tu parles du Panasonic. Ah j'ai vu le test de PP World, franchement Panasonic c'est une bonne en OLED. C'est ça Kenny? Ouais je suis quelqu'un que je suis également PP World. J'adore ce journaliste. Bah après bon, je m'intéresse à tout ce qui est nouvelle technologie, hein. Que ce soit au niveau informatique, que ce soit téléviseur ou au niveau du son. Et Royon. Alors actuellement en OLED la marque vraiment par c'est Panasonic. Hein. Alors ce sont toutes des dalles LG forcément, marque LG. Et eux après ils améliorent avec leurs processeurs, leurs cartes mères. Ils améliorent bien sûr la qualité de leur image. Hein. Chaque constructeur a des composants différents qui permettent d'améliorer comment dire le rendu de la télé. Mais je pense que bon peut-être Panasonic n'est pas peut-être les meilleurs dans le jeu vidéo au niveau du temps de réponse. Mais au niveau qualité d'image, pour moi ça reste quand même les premiers au niveau de l'OLED. Hein. Ah, je sais pas si tu parles de téléviseur OLED
ou QLED ou enfin il y a tellement de nano LED avec Samsung, il y a tellement de références si tu veux partir sur du OLED ou te rester sur du LCD traditionnel. Ouais, c'est l'OLED, c'est bien ça, sur le Panasonic, ouais. C'est avec ça que tu peux avoir une meilleure qualité d'image. Hein. L'OLED restera beaucoup plus fragile, par contre, hein, c'est plus fragile que du LCD. Mais si tu veux vraiment un bon rendu d'image, il faut prendre de l'OLED. Hein. Moi, je conseille ça. Hein. Bah, il y a des OLED, il y a des écrans OLED maintenant qui rivalisent un petit peu avec le LCD. Hein. Avec les temps de réponse, maintenant, à l'œil nu, on voit pratiquement pas de différence. Hein. Après c'est mon avis, mais bon c'est vrai que ce sont des... Moi c'est des trucs qui m'intéressent, hein, tout ce qui est nouvelle technologie, hein, voilà. Ah t'as déjà un OLED, bon faut que tu restes sur du OLED. Si tu repasses sur du LCD, après ça dépend de ton budget, hein. Mais si tu repasses sur du LCD, tu vas regretter... Bah, déjà l'OLED au niveau du taux de contraste et au niveau de la luminosité, c'est nettement mieux que du LCD. Hein. Le rendu d'image est complètement différent. T'as le très haut de gamme de chez Sony. Ah d'accord. Faut que tu prends le temps de bien comparer les comparatifs. Parce que maintenant il y a les nouvelles normes, il y a le Dolby Vision, il y a le Dolby Vision, Dolby Atmos. Il y a également le HDR, HDR 10+. Et tout ça, ces normes-là vont arriver sur les prochaines consoles. Hein. Faut pas oublier que ces normes-là vont arriver sur les prochaines consoles next-gen. Et si tu as possibilité d'avoir un écran qui soit compatible avec ça, je pense que le dernier Panasonic le fait d'ailleurs, ou l'avant-dernier, je sais plus. Bah, prends plus ça hein, sur ces normes-là. Hein. HDR 10, HDR plus 10, ce sont des normes. Hein, voilà, après le Dolby Vision. Parce que déjà, bah, Netflix est en Dolby Vision. Enfin, tout dépend encore le débit et le forfait que tu prends. Mais faut regarder à ça. Après, forcément, si tu veux avoir ces normes-là, faut pas, tu n'auras pas du Dolby Vision ou du HDR 10+ sur un écran à 500€. Hein. Voilà. Alors, mais pour le jeu, c'est vrai que le temps de réponse, si tu compares un moniteur jeu, un moniteur PC, enfin pour le jeu vidéo. Enfin, écran PC plutôt un écran télé. Alors actuel en temps de réponse, le temps de réponse sera tout le temps meilleur sur PC. Ça c'est sûr. Les écrans là-dessus sont meilleurs. Il y a déjà le G-Skin qui arrive dessus avec les cartes graphiques. Mais je suis pas persuadé qu'à l'œil nu sur un téléviseur le temps de réponse se voit quoi. La légère rémanence, ça fait généralement une petite rémanence ça là-dessus. Je pense que les téléviseurs maintenant s'adaptent de plus en plus avec les nouvelles normes, hein, voilà. Ah, tu les as sur ton Sony ? Ouais, c'est déjà du haut de gamme alors. Ok. Mais c'est ce que j'ai moi sur... moi j'ai un Asus pour le PC de jeu. C'est un 2K également et je passerai pas au-dessus. Je passerai pas en 4K, un 2K c'est largement suffisant. Bon, il fait pas HDR, hein, bien sûr, il fait pas Dolby Vision ni quoi que ce soit. Mais déjà, du 2K, c'est déjà pas mal pour un écran. Par contre, c'est un 165 Hz, voilà, compatible G-Skin. Voilà. Mais prends le temps de bien choisir, surtout. Après, si tu veux vraiment partir chez Panasonic, moi, c'est une marque que je conseille aussi. Hein. Ils ont une bonne réputation, ils font du bon de matériel. Non, je quitte pas. Dragon Gamer 56, salut Dragon. J'espère que tu vas bien, Dragon. Bienvenue à toi. Ah bah merci pour le follow également, merci à toi. Le 4K en jeu sur PC, ce serait de la bêtise pour l'instant. Ouais, voilà, exactement. Après, bon, si tu peux te faire plaisir à prendre un moniteur 4K... voilà, pourquoi pas, mais il faut avoir la carte graphique qui suit derrière. Hein. Obligatoirement, les jeux sont de plus en plus gourmands. Je pense qu'à partir de là, tu es obligé de passer, si tu veux du 4K, il faut passer facilement sur une 2070 ou une 2080, à la limite TI. Hein. Et ce sont des cartes graphiques qui coûtent à peu près entre 800 et 1000€. Hein.
pour faire fonctionner un jeu en 4K, il faut ce genre de carte graphique. Voilà. Ça va, Drago. Merci en tout cas pour ton follow. Hein. Merci, sois le bienvenu. N'hésite pas à passer sur la page d'accueil. J'ai Twitter, Facebook. Et puis, bah, pour connaître un peu le principe de la chaîne. Bon, d'habitude, je stream sur PC. Voilà, mais depuis une petite semaine, je me suis mis à faire des streams sur la Xbox. J'ai la fibre depuis pas, très peu de temps, ça fait à peu près un mois. Donc avant, je streamais beaucoup sur PC. Et là, du fait que je profite d'être posé dans mon salon pour streamer sur la Xbox. Voilà, juste par question de confort. Hein. Voilà, je repasserai sur PC quand ça ira un peu mieux pour moi. Quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Non, c'est pas ça. On continue. On va partir sur le reste de la course. Mais moi, je m'intéresse à tout ce qui est nouvelle technologie. J'adore ça, j'ai tout le temps aimé. Étant moi-même déjà, dès le départ, passionné d'informatique, de composants informatiques, alors je m'intéresse vraiment à tout ce qui est nouvelles normes de téléviseurs. Le son, un peu moins. Hein. Tout ce qui est ampli, etc. J'ai moins de connaissances. Je suis plus branché du côté... téléviseur quoi. T'es un moniteur 2K il me semble. C'est ce que j'ai aussi hein, pour mes jeux j'ai un moniteur 2K. À 400 mètres, prenez le virage serré. Résolution ça doit être 2560-1440. Si mes souvenirs sont bons. Alors il fait G-Skin, il fait 165 Hz. C'est un moniteur que j'ai payé assez cher. Prenez le virage serré à droite. Je l'ai payé assez cher. Mais on a la qualité derrière. Ah, c'est peut-être le même moniteur que moi. Moi ça doit être de référence, si mes souvenirs sont bons, ça doit être le... je crois que ça doit être le 279K ou Q, je sais plus. Au niveau de la référence, je ne sais plus vraiment. C'est un 27 pouces, bien sûr, c'est un 27 pouces. Voilà. Il faudrait que je redonne la référence, c'est peut-être le même. Hein. Alors, ça te dit pas, je sais qu'il me... Quel... j'ai pas compris ta question, Dragon, excuse-moi. Est-ce que tu peux répéter ta question, Dragon, s'il te plaît? Ouais, bah j'avais payé à peu près ce prix-là dans les 700 euros. Hein. À peu près ça. Ou un peu moins, peut-être. Où il était, il était pas loin des 500 euros, le moniteur. C'est ce que j'avais payé à peu près pour ce prix, pour ce moniteur-là. J'avais payé assez cher, je m'en souviens. Le prix exact, je m'en souviens plus, Kenny, mais... En 9, ouais, moi aussi, c'est pareil, mais c'est du 9, hein. Ah, au niveau de mon handicap. Attends, je vais te donner ma... J'ai fait une commande Andy, je vais te la taper ma commande Andy. Voilà, qui va te donner également toutes les explicatifs de mon handicap, voilà. C'est ça que tu voulais savoir, Dragon, il n'y a pas de souci. À 200 mètres, tournez voilà, à gauche. Voilà, c'est fait. À gauche. Ouais, il faudrait que je te redonne la référence du moniteur, mais ça marche très très bien. Bon après, comme je te dis, hein, le prix, c'est pas un écran que je vais changer dans l'immédiat. Hein. Voilà, je vais vraiment l'user jusqu'au bout. Et j'ai même pas envie de passer sur du 4K parce que je sais très bien que ma carte graphique ne passera pas, ne suivra pas. Vous avez atteint votre destination. De rien, Dragon, il n'y a pas de souci. Si là, éventuellement tu as quelques questions à poser, n'hésite pas. Je vais pas trop rentrer dans le sujet, mais si tu as certaines questions à me poser, n'hésite pas. Voilà, tout simplement. Si je peux t'y répondre, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai, comme je disais tout à l'heure, on m'avait demandé tout à l'heure également pour la commande Andy à quoi elle correspondait et voilà.
Allez, c'est parti. N'hésite pas à passer sur la page d'accueil également, Dragon, hein, si tu veux, et éventuellement me rejoindre sur Twitter ou Facebook. Je suis pas très très actif en ce moment sur le sur les réseaux sociaux. Je suis moins en moins actif d'ailleurs, hein, mais pratiquement plus de messages sur Twitter. Facebook encore moins. On a un Discord également, éventuellement, si tu veux venir nous rejoindre. Pourquoi pas. Merci Johan pour le Discord. Allez, c'est parti. On y va. Moi, le démarrage est raté. Hein. Le démarrage est vraiment raté. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc ça fait à peu près une petite semaine que je stream énormément sur la Xbox. La fibre est arrivée chez moi, donc on en profite. Parce qu'il faut savoir qu'avant je streamais via la 4G, un routeur 4G. Et c'était pas génial pour pouvoir utiliser la Xbox avec la 4G, ça marchait pas du tout. J'avais déjà fait un essai, mais ça marchait pas. Donc maintenant j'ai un début upload à plus de 400 mégabits seconde à peu près. Ce qui permet d'avoir de la marge pour pouvoir streamer quoi. Voilà. Et vive la fibre quand même, hein, le joie de la... depuis que j'ai ça, je suis vraiment. C'est vraiment génial. Hein. Avant j'avais la DSL, j'avais quoi même pas 6 mégas. Là je suis à plus de 500 mégas bits secondes, on va dire. Donc c'est du bonheur quoi. Allez. Essayez de reprendre quelques places. Voilà. Ouh purée. Ça tape, c'est pas grave. Il y a comme ça que je me rattrape. Allez, hop. Voilà. Ah ouais, la fibre c'est la vie, je confirme. Et si j'avais su, je serais parti vraiment, vraiment bien avant au niveau de la fibre, parce que la fibre est arrivée chez moi dans ma rue depuis le mois de janvier. J'ai hésité à partir chez Red de chez SFR. J'ai pris Red hein, parce que j'étais chez Free avant. J'ai pas trop osé partir chez eux et parce qu'ils ont pas été très très bonne renommée au niveau service client. C'est tout ce qui est dès que tu as des problèmes, apparemment c'est assez compliqué. Et depuis un mois, j'ai eu qu'une seule panne, qui est une panne générale du réseau, c'est tout. Ça ne venait même pas de moi. Et franchement, depuis ce temps-là, depuis un mois, je ne suis pas embêté. Hein. Aucune déconnexion, aucun décrochage ou quoi que ce soit. Alors peut-être que pour l'instant, c'est le début. J'ai pas crié trop vite victoire ou j'ai pas trop m'enflammé parce que je vais avoir peur le jour où j'ai un problème pour les contacter. Je sais que c'est pas top top. Mais bon, j'ai pas porté la poisse. Pour l'instant, tant que ça marche avec Red, je resterai chez elle. Il n'y a pas d'engagement en plus. Parce qu'au départ, c'était SFR qui proposait leur forfait avec un engagement de 12 mois. Et je voulais pas partir sur un forfait à 12 mois. Voilà. Tandis que là, si ça va pas, si Red ça ne fonctionne pas très bien, je quitte tout simplement. Pour partir chez un autre fournisseur, mais j'ai pour l'instant il n'y en a pas d'autre. Ici dans ma commune, il n'y a que Red et SFR. Oh là, c'est pas bon. Ah oui, le lien est expiré. Alors attends, je vais. Ah oui, c'est vrai, il est expiré. J'ai oublié de le changer. Je vais te redonner ça, Dragon, il n'y a pas de souci. Bon, je suis pas encore une fois très 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 actif non plus sur le Discord. Il y a quelques petites rubriques, n'hésite pas à passer sur les différentes rubriques. N'hésite pas à faire ton petit tour. Je sais pas si tu streams également. Il y a une rubrique également si vous pouvez parler de votre chaîne. Si vous avez des projets de live ou autre, vous pouvez éventuellement déposer quelques messages si vous streamez. En restant réseau mode sans trop spammer, bien sûr. Alors, je vais voir sur Discord, je vais te redonner un lien. Alors, je suis avec mon petit PC portable qui est très long.
Donc le temps que Discord s'allume. Bon, je vais la recommencer la course. Hein. J'étais pas trop concentré là pour l'instant. Donc je vais la recommencer. Surtout que là j'ai fini deuxième et premier. Donc je voudrais pas. Je voudrais pas perdre cet avantage là. Alors pour l'instant le Discord n'est pas encore allumé. Alors. C'est un PC tablette qui est pas très très puissant, donc tant que je l'allume, c'est compliqué. Ne vous inquiétez pas, je vais vous redonner un lien. Il va falloir que je revoie pour remettre un lien définitif sur Discord. Je ne sais pas pourquoi le lien a été changé. Peut-être par question de sécurité, je ne sais pas du tout. Tu streams pas Dragon, mais non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Mais n'hésite pas, hein, éventuellement, si t'as des... N'hésite pas à participer sur le Discord. Alors, je vous dis, je suis pas très actif. Généralement, je fais mon petit coucou le matin. Le soir, c'est assez rare que je suis présent sur le Discord. Mais généralement, je passe tout le temps faire un petit coucou sur le Discord. Voilà. Et c'est un Discord très, très, très calme où il n'y a pas de soucis. Il est bien... Alors, attendez. Le Discord n'est pas encore allumé. Et puis, éventuellement, si tu as des questions à me poser sur le Discord, n'hésite pas à le poser. Voilà. Alors, attendez, c'est bon, je suis arrivé sur mon Discord. Voilà, je suis seul à gérer le Discord, hein, je suis seul à gérer. Donc, je suis pas tout le temps présent. Donc, je vous demanderai quand même de... Surtout, c'est de respecter les personnes qui se trouvent sous ce Discord. Voilà, il n'y a jamais eu de soucis particuliers d'ailleurs. Hein. Il a tout le temps été correct. Hein. Les personnes qui se trouvent sur le Discord sont tout le temps été restées correctes. Par contre, je vous dis tout de suite, hein, bon, c'est en général, hein, je vais pas tout. Voilà. S'il y a un petit souci qui viendra, un petit problème, je contacte la personne. Si elle reste pas raisonnable, bon, je le retire du Discord, tout simplement. Mais il n'y a jamais de problème. Hein. Je peux garantir que sur le Discord, j'ai jamais eu de soucis. Alors, inviter des gens. Voilà. Alors ça doit être le lien. Voilà. Il y a un peu de ça, c'est un lien... modifier le lien d'invitation. Ton lien expire dans une journée. Alors apparemment, les liens Discord expirent au bout d'une journée. D'accord. Ah, tu es sur Discord 24h sur 24. Ouais, bah hésite pas si t'as. Si tu veux parler de choses et d'autres sur le Discord, y'a pas de soucis. Voilà, Drao. Allez, voilà, voici le lien. Ça, c'est un lien valable d'une journée. Je sais pas si on peut encore faire des liens définitifs sur le Discord, je ne sais pas du tout. Normalement, il doit être bon. Ce lien-là doit fonctionner en principe. Voilà. En tout cas, bienvenue à toi si tu. Si tu rejoins le Discord. Voilà. Bon, il y a différentes rubriques. Hein, voilà. Bon, toutes les rubriques ne sont pas utilisées. Il y a une rubrique générale, photo. On a quelques trucs pour le vocal. Quand je fais du multi. Si vous avez des infos sur les jeux vidéo, vous pouvez éventuellement déposer des infos. Il y a des images de votre jeu, des captures de jeu, vos images en jeu également. Bon, il y a une rubrique Stream des amis, hein, ce sont des annonces de streamers. Après, il y a quoi Twitter, les annonces Twitter, les replays YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube également. Ce sont que des replays, des lives. Puis après c'est à peu près tout, hein. Il y a le rubik vos chaînes, hein. Voilà, bah tu verras bien, tu verras Dragon. Puis divers également. Voilà. Donc je vais repartir dans le jeu. Continuer cette course. Le lien est bon, d'accord. Je sais pas si c'est bon pour toi Dragon.
si le lien fonctionne. Ah ouais, non, les commandes, tu peux pas les taper, Dragon. Il n'y a que le modo et que le streamer qui peut taper les commandes. C'est comme ça. C'est histoire pour éviter de me faire spammer sur le chat. Voilà. Allez, on recommence cette course, c'est la dernière du mode pour ce championnat là. Il faut finir dans les premiers. Dans les trois premiers surtout. On est sur trois tours. Alors je fais pas que du Forza hein, pour info. Je fais pas que ça. Je joue à vraiment tout style de jeu. En ce moment je suis sur Destiny 2 sur Xbox. Toute la semaine j'ai fait que ça. Destiny 2, je me suis relancé sur ce jeu là. Entre deux, ça m'arrive de faire du Assassin's Creed Odyssey. Sur PC, The Division 2 sur PC également. Il n'y a pas très longtemps j'ai fini Ghost Recon Breakpoint. Je pense qu'un de ces quatre je vais certainement me remettre sur Wheatland également, Ghost Recon Wheatland. Il va arriver également au mois de juin, bah, il va y avoir également The Last of Us 2 sur PS4. Voilà un petit peu ce que tu pourras trouver sur la chaîne. Au niveau des jeux vidéo, c'est assez varié. Et je me contente pas de faire tout le temps le même jeu. Tout dépend encore de la hype, on va dire. En ce moment, je suis à fond sur Destiny 2. Ça fait une semaine que j'ai streamé ça. Je pense que je continuerai également. Et après, je passerai certainement sur d'autres jeux. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, bah, ça m'arrivera également de streamer avec la cam. Parce que j'ai une cam également. Et ça sera sur PC. Et quand vous voyez qu'il n'y a pas d'overlay ou de cam, c'est que je suis sur Xbox, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Oula. Allez. C'est parti. Voilà, ça c'est bon. Allez, concentration au maximum pour cette course parce qu'il faut que j'arrive dans les trois premiers absolument. On est au deuxième tour déjà. Oh là là. Il me reste un tour pour pouvoir essayer de les doubler, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Ah, je vais taper. Ah, ça. Le problème, c'est que c'est pour doubler, c'est compliqué. Pas évident. Ah, mais rentre pas dans le mur aussi. Oh, c'est le problème, ça. Alors ça m'arrive de temps en temps aussi de faire des giveaways. J'ai une boutique également hein, pour qui permet de récompenser les viewers. Petite boutique qui permet de récompenser votre présence, votre participation sur le chat. Il faut savoir que vous gagnez également une monnaie virtuelle. Ça s'appelle la monnaie silver d'ailleurs. Et on recommence. Bah, pas de soucis, Dargon, il n'y a pas de problème. Pas de soucis. Et bienvenue en tout cas, Dragon. Voilà, donc vous gagnez de monnaie hein, par rapport à votre participation et votre présence. Et vous pouvez repartir avec des petits lots, hein, ce n'est pas des lots des plus extraordinaires. Donc ce sont des lots qui sont offerts, hein, c'est gratuit, je vous demande rien du tout. Je vous demande pas d'argent, il n'y a pas de l'arnaque. Hein. Voilà, il faut beaucoup de monnaie hein, par contre pour pouvoir repartir avec un lot, il faut beaucoup de présence. Il faut énormément participer sur le live. Et puis bah, tout ça c'est gratuit pour vous. Voilà, Johan, si tu peux éventuellement donner la commande boutique éventuellement, si tu peux, Johan. Parce que d'habitude je travaille avec le Screen Deck. Mais là je l'ai pas, hein, je suis sur console. Voilà, c'est éventuellement si tu peux mettre la commande boutique. Merci Johan. Et GG pour ton level, Dragon. On recommence cette course.
ça fera trois fois. Allez, c'est parti. Je pense que c'est en complet la commande boutique. Ah, c'est vrai que d'habitude je travaille avec un Steam Deck qui est pas mal, qui permet vraiment d'appuyer sur une touche et tu envoies directement les commandes sur le chat. Mais bon, là je suis sur console et je peux pas bien sûr utiliser le Steam Deck, mais c'est bien utile pour moi ce petit appareil qu'est le Steam Deck. Franchement, c'est vraiment top. Parce que bon, le temps que je tape au clavier, et c'est vraiment très utile ce genre d'accessoire. Hein. Allez. Alors la boutique en ce moment n'est pas des mieux achalandés, on va dire. Hein. Bon, il y a un peu moins de monde que d'habitude. C'est redevenu assez calme quand même sur la chaîne. Donc on verra si la chaîne elle évolue, j'émettrai des lots un peu plus gros, un peu plus importants. Sinon pour l'instant ça restera comme ça. Et ça m'arrive de temps en temps également de vous faire gagner de l'abonné. Il y a un moment que je ne l'ai pas fait parce que il n'y a pas assez de monde. Quoi. Voilà, il n'y a pas assez de monde pour faire gagner la monnaie silver, pour faire monter votre cagnotte. Mais bon, pourquoi pas, si par la suite la chaîne viendrait à avoir un petit peu plus d'influence et un peu plus de monde. Si